dernier match le 11 février prochain. Alors, voilà donc les images de l'esplanade du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé avec cette entrée motorisée qui annonce l'arrivée du représentant personnel du chef de l'État. Of course, the arrival of the personal representative, Simon Vundo Ayolo, being received there just in front of with a bouquet of flowers, which brings here Shalimi Renouz led to that ceremony. We'll begin any moment from here, from now on. This is, well, the ceremony has already begun. We'll arrive right there. Let's listen to what they will say. Le mouvement sportif national vous souhaite la bienvenue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie de remise de l'étendard à l'équipe nationale de football en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. They're having a guard of honor there. Don't forget that it is the country that is sending all the lands who have the flag, the anthem. De la gendarmerie. Présentement, nous sommes en train de vivre les honneurs militaires. Il y aura la salutation des corps constitués dans un moment à l'autre. Of course, at this present moment, very soon, is being the representative of the United States is being saluted by the commander. All the troops outside there. Very soon we will get into the hall here. Ladies and gentlemen, instructive things will begin. Don't forget that there are four goalkeepers that will be going over there, nine defenders. There are six midfielders and eight attackers that will represent Cameroon and AFCON. They are going to Côte d'Ivoire to seek a sixth title for Cameroon. Voilà, là maintenant c'est la salutation des corps constitués. On a vu le gouverneur de la région du centre. On a vu le président de la Fédération Camerounaise de Football et certaines personnalités. Et il faut souligner que la majorité des membres du gouvernement et d'autres personnalités se trouvent à l'intérieur de cette salle du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Vous vivez donc en direct l'entrée du représentant personnel du chef de l'État qui va retrouver sa place dans un petit instant seulement. Et nous sommes encore dans le petit tunnel qui débouche à l'intérieur de cette salle. Excellences, mesdames et messieurs, veuillons nous lever pour recevoir le représentant personnel du chef de l'État. Est-ce que les photographes peuvent
laissez que la cérémonie commence. Gabriel Loga, tout à l'heure, et va prendre la parole pour donner l'ordonnancement de cette cérémonie. Gabriel Loga, qui est le directeur de la communication au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État, monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la région du Centre, mesdames et messieurs les responsables des organisations olympiques, paralympiques et sportives, monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, messieurs les directeurs généraux, distingués.